Cela fait 2 minutes 10 secondes que nous sommes en direct. Nous sommes déjà 2700 personnes à être connectées. Ce soir ici, je vais parler à travers l'Afrique. Ce soir ici, ça sera le direct de la délivrance. Ce soir ici, je vais parler après toutes ces victimes qu'il y a eu sur les lieux. Ce soir ici, ce soir, je vais redorer l'image de la Côte d'Ivoire. Ce soir ici, je vais vous montrer à couvert aux yeux du monde entier, qui est véritablement ce... Quel nom que je pourrais lui donner ce soir? Ce brebis égaré, sorti de nulle part, et depuis 6 ans, qui nous fait la misère sur les réseaux sociaux. Ce soir ici, je vais parler à travers toutes ces femmes à qui il a vendu des huiles d'onction pour leur promettre le mariage. Ce soir ici, je vais parler à travers tous ces hommes à qui il a menti, voulant les rendre milliardaires. Ce soir ici, je vais parler à travers tous ces femmes et ces hommes à qui il a vendu que du mensonge et du rêve. Ce soir ici, je vais vous détailler de A à Z qui est véritablement ces brebis égarés. La famille, je vous préviens que ce n'est pas un clash. Mais je viens parler ici pour lui apporter la bonne nouvelle. De la même manière que tu ne fais que déclarer dans la vie des gens. Et la vie de ces personnes-là ne change pas et n'aboutissent pas. À chaque fois que tu déclares dans la vie d'une quelqu'un, sa vie ne fait qu'aller de malheur en malheur. Ce soir ici, c'est moi qui vais déclarer sur ta vie. Et je vais implorer la faveur du Dieu Tout-Puissant afin qu'il puisse toucher ton cœur de pierre. Parce que tu n'as jamais connu l'évangile et tu ne connais pas Dieu. Raison pour laquelle tu t'amuses avec la parole de Dieu. Et chaque 2 secondes, tu te mets en genoux pour dire « je déclare ». Tu as déclaré quoi dans la vie de qui est arrivé? La famille, ce soir ici, ça sera un film. Mais ça t'a dit, ça sera un film de karaté, un film d'amour. Je vais voir ici les 10 000 personnes connectées avant que je ne parle. Et nous allons ensemble monter le mercure comme il se doit. Mais d'abord, nous allons écouter cette belle mélodie-là. La chanson qui s'adresse aux brebis égarés. Partagez le direct, s'il vous plaît. 300. La famille, allez-y dire à vos voisins, allez-y dire à vos mères. Si vous avez un membre de votre famille à qui un homme de Dieu lui a vendu du rêve, ces hommes de Dieu qui ne prétendent toujours parler que de Dieu, mais pourtant qui ne viennent pas de Dieu, ces hommes de Dieu qui ne font que prêcher la sorcellerie, qui ne font que prêcher l'argent, comme si le monde se résumait à la sorcellerie et à l'argent. Ce soir ici, je vais délivrer le plus grand malheur de la Côte d'Ivoire. Parce que je ne serai sans pitié avec toi ce soir. Je te le dis en même temps. Regarde dans mes yeux, je serai sans pitié avec toi ce soir. Ce soir ici, je suis venu pour vous montrer devant la face du monde entier qui est véritablement ce brebis égaré. D'où vient-il? Quelles sont ses ambitions? Et qu'est-ce qu'il veut faire de la jeunesse africaine? Voici celui-là qui prétend matin, midi, soir être milliardaire. J'ai construit une maison au pays. J'ai acheté une maison en France. Pourtant, dans son propre pays, il est locataire. Ce vendeur de rêves, ce vendeur de idoles, ce vendeur de malheur, celui-là même qui ne fait que mettre la Côte d'Ivoire dans la merde et dans le problème, celui-là qui était capable de l'histoire du monde entier montrer le numéro d'un ministre de l'État. Voici cet individu. D'où vient-il? D'où sort-il? Personne ne saurait vous le dire. Mais ce soir ici, il sera à couvert. Je vais voir ici d'abord les 10 000 personnes connectées. Nous sommes 9 700 personnes connectées. Je vais voir le partage. Il y a des gens ici qui n'ont jamais autant partagé direct de leur vie. Mais ce soir ici, vous allez le faire. Parce que vous êtes tous à la recherche de la vérité. Je lui ai dit, ne me pousse pas à bout. Parce que celui que tu veux frapper, qui te demande pardon. Tu veux le frapper, il te demande pardon. Il envoie les chefs du village. Il envoie les coutumiers. Il envoie les parents pour te demander pardon. Tu dis non, je vais le frapper. Arrivé un moment donné, je viens me livrer à toi pour que tu me montres véritablement de quoi tu es capable. C'est une guerre sans merci. Mon petit, ce soir ici, je t'appelle petit parce que tu n'es rien au devant de Dieu et de la même manière que je ne suis rien devant Dieu. Voici ce vendeur d'illusions. D'où vient-il? Qui est-il? Toute son histoire est dans l'ordinateur que vous avez ici. Je vais vous décrire sa biographie et ensemble, nous allons connaître véritablement sa personne. Je vais voir les 15 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Nous sommes à combien de partages? Informez vos femmes, vos cousins que le Hapoutou National en direct. Informez le monde entier que je suis en direct.
informez tout le monde que je suis en direct. Nous sommes déjà 11 000 personnes connectées. Je dis bien ce soir ici, je vais voir d'abord les 15 000 personnes connectées avant que je ne commence à parler. Nous sommes à combien de partages? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un long métrage. Vous savez que quand je commence le direct, je dois me présenter. Si je ne suis pas encore présenté, nous sommes à 14 000 partages. Je vais voir les 30 000 partages. Je vais voir les 30 000 partages. Nous sommes à 14 000 partages. Je vais voir les 30 000 partages. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais voir les 30 000 partages. Je vais voir les 30 000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais voir les 30 000 partages. Tu t'es trop moqué des Ivoiriens. Tu as trop pris l'Afrique comme des ignares. Parce que si on t'a demandé, c'est toi qui as la science infuse. Si on t'a demandé, c'est toi qui es le plus intelligent. Si on t'a demandé, c'est toi à qui Dieu a donné l'intelligence et tu prends tous ceux qui sont devant toi comme des animaux ou des animaux. Je ne saurais pas vous le dire, mais vous connaissez déjà mon français. Et vous savez très bien que moi, je ne suis pas dans deux, trois mesures. Je parle tel et comme je suis. Nous sommes déjà 11 000 personnes connectées. Je vois les 15 000 personnes connectées avant que je ne continue de parler. Mettez les cœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Écoutons cette musique-là. Après ça, je continue de parler. Nous sommes à 15 000 partages. Je vais voir ici les 30 000 partages. Continuez de partager. Aujourd'hui, c'est le direct de la vérité. Je vais vous montrer à quel moment cet individu est devenu mon pire ennemi, souhaitant ma mort, souhaitant que je disparaisse sur les réseaux sociaux. Parce que tel est son but. Je vais vous montrer ici ce soir à quel moment cet individu-là est devenu mon pire ennemi. À quel moment celui qui prétendait être mon père hier a commencé à jalouser son fils. À quel moment celui qui prétendait être mon père hier a commencé à avoir la haine vis-à-vis de son petit. Dans la vie, lorsqu'un père met son enfant au monde, c'est pour que cet enfant-là soit un exemple. Lorsque un père met son enfant au monde, c'est pour que cet enfant-là puisse accomplir ce que le père n'a pas pu accomplir. Mais un père qui est jaloux de son enfant, un père qui ne veut pas voir l'évolution de son enfant, un père qui ne veut pas voir son enfant-là prospérer, ce n'est pas un père. Mais au contraire, c'est le diable masqué qui attend juste le moment opportun dans le but de donner à la vérité populaire son propre sang. Tu m'appelais hier fils. Déjà pourtant, derrière ce sourire, se cachait un homme qui en voulait véritablement à ma carrière de blogueur et influenceur. Tu m'appelais fils, mais pourtant derrière ce visage-là, se cachait un homme qui avait de la haine dans son cœur. Tu as menti au monde. Tu as menti à l'Afrique. Mais ce soir ici, je vais te mettre à découvert. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça sera dans la paix du Seigneur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes à 13 000 personnes connectées. Je dis bien, je vois les 15 000 avant que je ne parle. Je vois les 15 000 connectées. Partagez. Ça fait 10 minutes que nous sommes en direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ici là, ça sort pas sur les pages. Mais comme on ne lapide que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là que tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver. Abudu national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je le dis. C'est Dieu qui bénit, qui a envie de bénir. Oh, Ateao, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie là, c'est dépend. Plus important, on n'est plus là pour écouter la fin. J'aimerais ce soir ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Agbré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux. Désormais, je me fais appeler le guide parce que c'est moi qui dirige le troupeau des brebis égarées. Parmi ces brebis égarées-là, il y a une brebis ou bien un brebis. Je ne sais pas comment vous l'exprimez en bon français, mais parmi mes brebis égarées, il y a un dedans là. C'est lui qui est le plus têtu parmi les brebis égarées. C'est lui qui est le plus ténace parmi mes brebis égarées. Ce soir ici, je viens lui apporter la bonne nouvelle. J'aimerais dire ici à ce pasteur, ce soi-disant homme de Dieu transformé aujourd'hui en blogueur,
qui est devenu aujourd'hui influenceur. J'aimerais te dire ici ce soir, je ne parlerai pas de ce que je fais pour toi en bien. Parce que lorsque je le fais avec amour. Ce soir ici, je ne parlerai pas de combien de fois j'ai donné ma poitrine pour toi. Afin que tu puisses sortir la tête de l'eau. Lorsque tu étais dans un monde, lorsque tu étais dans une situation la plus difficile de ta vie, je ne parlerai pas de ce que j'ai fait pour toi. Mais je vais parler ici ce soir, étape par étape. Parce que je suis un être humain. On dit, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'en retour, à la moindre occasion, tu puisses venir t'asseoir pour dire devant le monde entier, qu'est-ce que tu as fait de bien pour cette personne-là. Je ne parlerai pas de combien de fois j'ai donné ma transpiration, mon temps. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir la force de toujours être sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné de ta vie, il ne restait qu'un petit fil pour que toi, tu puisses disparaître. Parce que lorsque le monde s'est levé contre toi, il a fallu qu'un innocent, un homme sorti de nulle part, un jeune qui s'appelait Stéphane Abré, désormais à Poutou National, a donné sa poitrine pour que toi, aujourd'hui, tu sois l'homme que tu es aujourd'hui. Mais je ne parlerai pas de ça. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Parce que malgré ce que je suis, j'ai quand même mes limites. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous parler ici ce soir d'abord. À quel moment l'homme qui se disait mon père hier s'est transformé mon pire ennemi. À quel moment cet individu prétendant être un homme de Dieu a commencé à avoir de la haine dans son cœur vis-à-vis de moi. Cet enfant qui brandissait hier sur les réseaux sociaux, lorsque cet enfant-là menait les guerres pour lui, il disait à qui veut l'entendre, voici mon fils aîné. Mais à quel moment ce fils aîné-là est devenu aujourd'hui le pire ennemi du père? Je vais vous l'expliquer ce soir. Si vous vous rappelez bien, lors du décès de la maman, de la femme du général Camille Makosso, le général Camille Makosso m'a appelé pour la première fois. Je vais en arrière pour que vous puissiez savoir à quel moment la haine a commencé à cotiser dans son cœur. Lorsque la femme, lorsque la maman de la femme du général Camille Makosso est décédée, Makosso m'a appelé au téléphone et il m'a dit, petit, voici un dossier qui est chaud. Je t'avais dit que moi, je n'ai pas tué ma femme. Mais celui qui a tué ma femme ne va pas durer 5 mois, 3 mois sur la terre, va mourir. Voici la preuve en est que c'est la maman de ma femme qui a tué ma femme. Voici un dossier clé. Voici un dossier frais. À Poutou National, viens parler de ça sur les réseaux sociaux. Ça va te donner de la visibilité. Et en plus, tu sais très bien que c'est toi qui es en train de me défendre actuellement. Donc voici le moment opportun encore pour que tu puisses venir me défendre. Je lui ai dit, mais le père, je cherche la célébrité, je cherche la gloire. Mais qu'est-ce que j'ai à faire à venir parler de quelqu'un qui vient de perdre la vie? Quelle est cette célébrité et cette notoriété que moi je cherche pour venir me réjouir du cadavre d'une pauvre femme qui a été meurtrie par la disparition de sa fille? Mais qu'est-ce que j'ai à venir faire pour faire un direct, pour venir me réjouir de la mort de cette dame-là, pour dire, oh! Le général Camille Makosso l'avait dit que, ah, il avait perdu sa femme, que celui qui avait tué sa femme allait perdre la vie. J'allais venir me réjouir, cherchant quelle visibilité. Pourtant, je suis né d'une mère. Et qu'est-ce que je vais gagner en me réjouissant de la mort d'une pauvre dame? Automatiquement, je lui ai dit, le vieux, je ne vais pas faire ce direct-là. Je suis sincèrement désolé, mais je ne ferai pas ce direct. Voici la première fois où il était déçu de moi. Parce qu'il se disait que j'étais son chien de garde. J'étais celui-là à qui il pouvait tout dire et ce petit n'allait pas parler. J'étais celui-là à qui il pouvait envoyer sur n'importe quel front. Malgré que la dignité et la moralité n'y aient pas, j'allais partir le défendre. Mais je lui ai dit non, je ne viendrai pas salir la mémoire d'une pauvre grand-mère. Je ne viendrai pas mettre une femme qui vient de perdre la vie, venir me réjouir de sa mort. Ce n'est pas possible. Voici la première fois d'abord où il a été déçu de moi. La deuxième fois, il m'a appelé et il me dit, je veux que tu partages mes directs sur ta page. Quand je suis en direct, mes directs doivent passer sur ta page. Je lui ai dit, mais le vieux, bien vrai que j'ai pris ta défense. Bien vrai qu'à un moment donné de ta vie, j'ai donné ma poitrine pour que toi, tu puisses être vu à la lumière.
Mais le vieux, retiens une seule chose. Je ne suis pas venu pour marcher dans l'ombre de quelqu'un. Je ne suis pas venu sur Internet dans le but de faire les autres et puis moi-même être dans l'obscurité. Je ne peux pas partager ton direct sur ma page. Je l'ai fait déjà une fois, à un moment opportun. Mais je ne vais pas la refaire deuxième fois. Vraiment, je suis désolé. Je ne vais pas, en aucun cas, partager ton direct sur ma page. Voici la deuxième fois où le Père est dessus du Fils. Ce soir ici, je parle à travers mon cœur et mon âme. Je sais que c'est Dieu qui m'inspire. Et Dieu sait que rien que la vérité et la vérité sort de ma bouche. Voici pourquoi mon français est limpide ce soir. Parce que Dieu même sait que je suis en train de parler la vérité. Parce que je priais avant de faire ce direct-là. Je confiais mon âme à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce combat que je vais mener ce soir, ce n'est pas un combat dans le but de venir humilier quelqu'un. Mais c'est un combat dans le but de venir laver toutes ces femmes et ces hommes à qui ils ont prêché le mensonge durant des années, se prétendant pasteur et homme de Dieu. Pourtant, ce n'est que le diable vêtu en Prada. Ce soir ici, c'est toute l'Afrique qui parle à travers moi. Voici la deuxième fois où je lui ai dit non. Et immédiatement, il était dessus. Immédiatement, il s'est dit, voici ce petit-là qui va me tenir tête. C'est la deuxième fois. C'est là le Père a commencé à cotiser la haine dans son cœur. J'ai commencé à faire mes directs de pas autres. J'ai créé ma page Stéphane Agbré qui a été attaqué. Après ça, vous avez vu la suite. Je suis sorti la tête de l'eau. J'ai commencé à batailler. J'ai créé Apoutou National. Je suis devenu aujourd'hui l'homme que je suis sur les réseaux sociaux. Par mon courage, par ma bataille et par ma détermination. Vous vous rappelez de l'histoire de Chris Yapi. Lorsque ce monsieur-là parlait de Chris Yapi, vous avez vu tous la guerre sur les réseaux sociaux entre Chris Yapi et ce faux pasteur déguisé. Je suis sorti, je vais faire un direct. Dans le direct, je lui ai dit qu'il n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour montrer qui sont ceux qui veulent nuire à qui et à quoi. Son rôle sur les réseaux sociaux, c'est un pasteur qui se contente de son milieu de pasteur, qu'il arrête de fouiner sa bouche partout, que s'il a envie de vendre ses huiles d'onction, il a envie de vendre ses vins de canard, il a envie de vendre l'eau, il n'a qu'à continuer de les vendre, mais qu'il n'a qu'à enlever sa bouche dans l'affaire de Chris Yapi. Voici la troisième fois où ce père-là va se sentir indigné, parce que le fils n'est pas venu le soutenir, parce que celui qui prétend n'est pas venu l'aider dans un combat ou lorsqu'il combattait avec Chris Yapi. Je lui ai dit, mais tu combats avec qui? Tu combats avec une personne que tu ne connais pas. Chris Yapi, on ne sait même pas si c'est un être humain, si c'est une femme, si c'est un homme. Personne ne connaît son identité. Mais concentre-toi sur les faits qui sont réels. Voici là où le père a gardé rancune troisième fois dans son cœur. La quatrième fois, c'est lorsqu'il y a eu l'histoire de Peter 007. Lorsqu'il y a eu l'histoire de Peter 007, je suis sorti où ce lascar a dit sur les réseaux sociaux que Peter 007 était sidéen, qu'il avait le sida. Je suis sorti, je lui ai dit, mais ce n'est pas ton rôle, le père. Tu prétends prêcher l'évangile. Tu prétends être un homme de Dieu. Tu prétends être celui-là qui est venu conduire les enfants de Dieu sur le royaume des cieux. Mais tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et dire que Peter 007 a le sida, sachant très bien que le sida est la maladie la plus détestée par les Africains. Mentalement, quand on dit à un Africain qu'il a le sida, il pense que sa vie est gâchée. Mais tu entends de gâcher la vie de ce dernier sur les réseaux sociaux à travers ce que tu dis. Ce n'est pas normal de venir t'asseoir pour venir dire que Peter 007 a le sida. Voici la quatrième fois où le père a gardé la haine dans son cœur. Et c'est là qu'il m'a appelé au téléphone pour me dire, fils, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais que tu fasses des directs sur moi. Il m'a appelé en transe. Les vocaux sont là. Mais je ne mettrai pas ces vocaux-là. Parce que lui-même, il le sait. Et vous-même, vous le savez très bien. L'histoire de Chris Yapi, ce n'est pas du mensonge. Les faits sont réels et sont sur les réseaux sociaux. C'est en ce moment-là que ce monsieur-là a dit que c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Ce petit-là veut me défier. Ce petit-là veut faire cela, veut faire cela.
Et c'est là qu'il a commencé à me prendre comme concurrent. Mais un père qui prend son fils comme concurrent, un père qui doit être normalement heureux, de dire voici un jeune qui a un verbe, qui a une énergie, mais qui a un palais facile, qui peut défendre les causes des personnes sur la toile. Mais ce père-là a commencé à cotiser la haine parce qu'il a vu que ce fils-là commençait à devenir important sur les réseaux sociaux. Il a vu que Apoutou National commençait à devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il a vu que Apoutou National commençait à se faire un nom sur les réseaux sociaux. Il a vu que ce petit-là devenait très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le casser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer ce petit-là comme un petit qui est irréfléchi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer ce petit-là comme un petit qui n'est pas crédible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le moment opportun pour venir gâcher la vie de ce petit sur les réseaux sociaux afin que les gens puissent se dégoûter de moi et disent que nous enlevons notre image sur la vie d'Apoutou National. Voici son rêve qui était là parce que je devenais menaçant pour lui. Subitement, arriva l'affaire Fabienne. Oh! Voici le moment opportun pour détruire Apoutou National. Il arriva maintenant l'histoire Fabienne. Et voici le moment opportun pour détruire Apoutou National. Il attendait cette occasion depuis des mois, depuis des années. Parce que ce petit-là a refusé une fois, a refusé deux fois de lui obéir, a refusé trois fois d'être son chien de garde, a refusé quatre fois d'être son chien de garde. Voici le moment opportun, l'histoire Fabienne, pour détruire la crédibilité de Apoutou National. Il n'a pas attendu une minute, il a saisi cette histoire. Il a saisi cette histoire et il a dit, je vais détruire ce petit-là. Maintenant, nous allons rentrer maintenant dans l'épisode. Nous allons rentrer maintenant dans une phase de turbulence. Je vais vous montrer ici maintenant qui est véritablement ce Lascar. D'où vient-il? Et pourquoi est-ce qu'il ne fait que incuber les Ivoiriens et les Africains? Nous rentrons maintenant dans la phase de destruction totale. Nous rentrons maintenant dans la phase où lui-même va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons-le. Et ensemble, nous allons décortiquer. L'affaire Fabienne. Je vous parle ici. Écoutons. Je ne sais pas, mais mon cœur est chaud. Écoutons-le. Papa a raison. Je ne vous connais pas. Mais c'est toujours vous les mêmes qui êtes toujours les premiers à venir dire, non, toi, tu es un homme de Dieu. Et puis tu dis, hey, ta mère con. Toi qui dis ça, on parle d'une enfant qui a été violée par billet. Vous connaissez un jeu? Vous connaissez bien les gens sont... Cliquez ici, et pas mon collègue. Voilà, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut que ce soit clair. Ce sont vos histoires où on parle, je ne suis pas dedans. Je suis une entité vivante. Non! Je ne tape jamais poteau sur un sujet. Tous les combats que j'ai pris ici, j'ai gagné. Vous comprenez comment vous pouvez... Voici ici ce monsieur qui nous dit, lorsqu'il a attendu l'occasion de Fabienne pour venir démontrer à la face du monde entier que je n'étais pas crédible. Parce que j'ai eu à faire intervenir ici le présumé violeur pour lui donner quand même la parole. Parce que même à la justice, quand on attrape quelqu'un sur les faits d'un crime, qu'on envoie à la justice, le juge va lui poser la question de quand même se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Il nous dit ici qu'il n'a jamais perdu un combat. Que lui, tout combat qu'il a pris sur la toile ici, il est allé jusqu'au bout. J'aimerais te poser la question, que devient aujourd'hui l'affaire Fabienne? Mais avant que je n'arrive sur l'affaire Fabienne, que est devenue aujourd'hui l'affaire du couple Métois? Makosso en direct ici a dit que lui, il allait payer l'avocat pour le couple Métois. Que lui, il allait charger l'affaire de couple Métois. Mais la pauvre dame s'est retrouvée seule à la fin avec son mari. Appelant Makosso en longueur de journée, il ne prenait plus son téléphone. Donne-moi la suite de l'affaire du monsieur qui a été tabassé par le commandant ou par le capitaine de gendarmerie, qui a été frappé, le footballeur Métois. Que est devenu l'affaire? Tu n'es pas allé au bout de cette histoire. Mais à la première occasion d'un nouveau buzz,
Tu as laissé ce buzz-là et tu as laissé un autre buzz. Voici véritablement quelle est ta véritable nature. Tu n'as jamais rien fait pour les gens. Mais quand tu le fais, c'est en fonction de la visibilité que tu peux avoir. Vouloir toujours te faire plaire, vouloir toujours te montrer intéressant, mais en voulant trop faire, en voulant trop faire, on se gâte. On poursuit ensemble. Et on écoute. Je vais demander pardon. Champion, faut t'asseoir. Viens, tu fais, viens pomper un peu aujourd'hui. Viens pomper un peu. Voilà. Et tu ne connais pas encore. Souvent, je m'assois. Les gars, je ne vois pas le partage. Non. Je ne vois pas assez de partage. Non. Je ne vois pas assez de partage. Yeah, vous avez battu le record de 5 de près de combien? 20 000 partages. J'étais là, vous salue. D'abord, permettez-moi de dire merci à tous ceux qui, depuis hier, m'appellent, me dit mon général. Nous comprenons désormais ton combat. Je tiens à dire merci à tous ceux qui, depuis hier, m'appellent. Pour dire mon général, c'est maintenant, nous, on comprend pourquoi tu suis Facebook. Tout ce que tu fais, c'est pour attirer les gens pour un combat. Je dis oui, calmez-vous. Donc, Giovanni, faut t'asseoir. Yaka, yaka, prends ton tabouret à ces là. Je demande à tous les. Si on ne voit pas le direct partager sur la page de Yaka, yaka, je vais m'en dire Yaka, yaka. C'est comment? Je vais aller partager mon direct, c'est mon dernier direct. Il y a parlé, et puis je ne reviendrai plus sur certains sujets. Mais Fabi, là, je suis dessus. Je n'ai jamais fait vidéo. Malgré que souvent les personnes allaient me taguer sur des posts ou des vidéos où on me parle. Tu nous dis ici que l'affaire Fabienne, tu n'allais pas laisser. Mais aujourd'hui, les internautes se posent la question, quelle devient aujourd'hui la petite fille Fabienne? Parce que c'est à cause de Fabienne que tu m'as dit et tu as montré aux yeux du monde entier que j'étais un enfant maudit. C'est à cause de l'histoire Fabienne que tu as dit devant le monde entier que moi j'ai pris 2000 euros avec le présumé violeur. Tu nous as fait croire ici que toi, tu n'allais pas laisser l'affaire Fabienne. Mais que devient aujourd'hui cette petite fille après 4 mois ou 5 mois? Tu ne nous as pas donné suite. Tu es passé à autre chose et tu as entamé de buzz en buzz. Parce que la petite fille, au fait, ne t'intéressait pas. Mais c'était l'occasion palpable pour montrer à la face du monde entier que à Poutou National, voici qui il est véritablement. Tu as saisi cette occasion-là pour déverser ta haine, pour déverser ta jalousie et pour venir essayer de me détruire. Mais tu ne peux pas détruire ce que tu n'as pas créé. Je suis un enfant de Dieu. Et si aujourd'hui je suis au stade de ma vie où je suis, c'est parce que Dieu parle à travers moi. Ces gens qui me regardent ici ne sont pas des bébés égarés. Ce sont des êtres humains qui sont la richesse de la vérité. Tu as menti à l'homme, mais tu n'as pas menti à Dieu. Voici pourquoi Dieu m'inspire ce soir dans le but de montrer véritablement qui tu es. Je vais prêcher l'évangile sur toi. Oui, ce soir ici, c'est ta délivrance. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. On t'écoute. Pour dire, viens père, faut couper. Tu prends moi mon travail. Moi mon combat pour un jeu. Moi mon combat. C'est une petite fille qui a été violée. Et à la partie où on a essayé d'appeler des gens à se mobiliser financièrement pour elle. Toi tu rentres comme un sorcier dans le truc du loup. Faut arrêter. Payer ton deuxième nom. Tu arrêtes. La partie où on doit aider la fille. Champion, ton sabotage est mauvais. Mais il faut te calmer. Il va aller doucement. Doucement. Pierre te prend de mon filet. Il va t'amener au laboratoire. Il va enlever ton ancienne peau. Il va te découper bien. Et puis il va remettre une nouvelle peau. Pierre te libérer. Quand tu vas partir là, tu es délivré à jamais. Au nom de Jésus. Parce que vous aimez prononcer le nom de Dieu. Vous ne partez jamais à l'église. Vous prononcez le nom de Dieu. Vous combattez même l'église. C'est vous qui avez parlé de Dieu. Voici ici, disant dans le direct, qu'il allait me plumer. Après avoir fini de me plumer, il allait me laisser partir. Parce que c'était le moment opportun de cacher ma réputation sur les réseaux sociaux. Tu nous dis ici que nous, on parle de Dieu, mais on ne connaît pas de Dieu. Pourtant, toi, tu n'as aucune église. Tu nous dis que nous, on parle de Dieu, mais que nous, on ne va pas à l'église, que nous, on ne connaît pas Dieu. Toi, tu n'as jamais connu Dieu. Tu n'as jamais cru en Dieu. Voici pourquoi tout ce que tu fais se résume à l'argent. Pour toi, le monde entier se résume à l'argent. Pour toi, dans ce monde-là, toute notre vie doit se résumer à l'argent. Mais la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais toi, tu penses qu'avec l'argent, tu peux tout acheter.
Tu penses que la vie d'un être humain se résume qu'à l'argent. Tu l'as dit ici hier que tu allais me déprimer. Tu allais me déprimer. Tu allais enlever ma chair et puis me donner. Mais tu n'as pas réussi à le faire parce que le Dieu que je prie est un Dieu de gloire. Ce Dieu-là n'a pas permis que toi tu puisses avoir raison de moi. Ce Dieu-là n'a pas permis que toi tu puisses avoir raison de moi. Voici pourquoi je ne fais que fléchir genoux chaque jour que Dieu fait. Et je lui dis merci encore une fois de plus. Parce que tu as voulu montrer à la face du monde entier que j'étais le diable. Mais pourtant c'est toi le diable habillé en Prada. Mais monsieur, aujourd'hui c'est ta délivrance. Nous continuons ensemble. Je vais vous relater ici, information par information. Et nous allons voir véritablement qui il est. Je te connais bien. Mais aujourd'hui là, il faut que tu mettes des canibas dans ton cul. Pour que ça te chauffe, pour que tu fasses une diarrhée. Et quand tu sors de là, tu es droit. Faut personne ne te dit une chose. Faut plus jamais faire des vidéos pour dire non. Vous voyez, les gens sont jaloux de moi. Champion, faut plus de ta bouche au nom de Dieu. Faut plus jamais dire ça. J'étais moi, je t'ai dit. Faut plus jamais dire de ta bouche que les gens sont jaloux de toi. Parce qu'on a tellement de Facebook. Quand le nom de n'est pas camarade. Le nom de a battu des records sur le décès de ma femme. Faut te calmer. Regardez avec fierté. Un homme qui prétend être un homme de Dieu, qui parle avec fierté des records sur le décès d'une personne. Quelle est la notoriété que l'homme cherche sur le décès d'une personne? Quelle est la visibilité que l'homme cherche sur le décès d'une personne? Tu dis haut et fort que arrête de dire que je suis jaloux et que les gens sont jaloux de toi. Mais bien sûr que tu es jaloux. Parce que la preuve en est, c'est seul un négri qui ne fait que comparer les vues sur Internet. Qui lutte avec toi? Tu penses que qui lutte avec toi? Tu penses que qui a envie de lutter les vues avec toi? C'est toi seul, tu es dans un monde et tu te fais ton film à toi seul. Tu penses que les gens luttent les vues avec toi? Tu penses que nous, on est venus sur les réseaux sociaux, c'est pour lutter les vues? Que non, des gens ont battu des records sur la mort de quelqu'un. Et avec fierté, tu le dis. Avec fierté, tu dis que les gens ont battu des records sur la mort de quelqu'un. Pour moi, tu devais avoir honte. Pour moi, tu devais avoir honte de le dire. Mais comme tu vis que pour les réseaux sociaux, comme tu as pris les réseaux sociaux pour faire de ça aujourd'hui ton âme, voici pourquoi Facebook a transformé ton cœur et ton âme. Tu t'es trop emballé dans les réseaux sociaux. Monsieur, redescends sur terre. Facebook, c'est que du virtuel. Ce n'est pas la réalité. Facebook, c'est que du virtuel. Et ce n'est pas la réalité. C'est parce que tu es peu de foi. Oui, je te le dis. Tu es un homme peu de foi. Tu es un homme qui ne craint pas Dieu. Tu es un homme qui n'a jamais connu Dieu. Parce que celui qui a connu Dieu parle de Dieu. Celui qui a connu l'évangile parle de l'évangile. Parce que le pasteur Marcelo, là, est-ce qu'il a besoin de parler des 16 de femmes? Il a besoin de venir s'asseoir pour parler de tout et de rien. Pour parler de politique, pour parler de la vie des gens, pour venir insulter l'intimité des femmes, insulter mes cons, insulter mes ceci, pour avoir de la visibilité. Non. Il prêche l'évangile. Et à travers ce que Dieu lui fait passer comme message, il a aujourd'hui des millions d'abonnés et il est connu partout dans le monde entier. Je prends encore un autre exemple sur le pasteur Mohamed. Il ne parle pas des faits de société. Il n'a jamais pris sa bouche dans une histoire sur les réseaux sociaux. Mais quand tu l'écoutes, quand tu écoutes son évangile, ça purifie ton âme. Il n'a pas besoin d'insulter. Il n'a pas besoin de dénigrer. Il n'a pas besoin de concurrencer les views pour avoir un nom. Mais Dieu parle à travers lui. Et quiconque écoute son message, qui a le Christ en lui, va se retrouver dans ses propos. Voici pourquoi son évangile ne fait que prospérer. Mais toi, tu es en train de courir les views sur les réseaux sociaux. Et tu te dis pasteur. Tellement tu as oublié l'évangile de Dieu, tu ne parles même plus de Dieu. Depuis ce matin, voici un homme de Dieu qui ne fait que des postes pour parler que d'appartenance nationale. Mais pourtant, Dieu que toi-même tu prétends dire que tu parles à travers Dieu, tu es incapable de parler de Dieu sur ta page. Tu es incapable de parler du Seigneur parce qu'en parlant de Dieu sur ta page, tu n'as pas la visibilité parce que tu as la recherche de la visibilité. Donc tu sais qu'en parlant de Dieu, ça ne te donne rien. En parlant de Dieu sur ta page, ça n'amène pas les gens. C'est 400 personnes qui te suivent. C'est 500 personnes qui te suivent. Donc tu as besoin de parler des faits des sociétés. Tu as besoin d'essayer de détruire l'image des gens. Tu as besoin de rentrer dans la famille des gens. Tu as besoin de prendre des dossiers que tu n'as jamais abouti pour avoir de la visibilité. Voici pourquoi tu as laissé Dieu tomber. Mais je poursuis avec toi ce soir. Je dis, nous sommes dans un film de karaté. Et moi, je suis le brave. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute. Ils sont jaloux de moi, c'est pour cela. Tu as quoi? Tu es qui? Pourquoi ils sont jaloux de toi?
à cause de l'œil là, les gens ne savent pas à quoi. Sois sérieux une fois. Dès qu'on prenait, les gens sont jaloux de l'ECA. Vous êtes qui? Vous représentez quoi dans ce monde-là? Vous influencez quoi? Vous avez quel impact sur les décisions de l'État? Rien. Calmez-vous. Nous sommes des clones de Facebook. Des clones que nous sommes. Et bien, l'un est jaloux de l'autre parce que l'autre est en train d'évoluer. Quelle évolution? On poursuit ensemble. Calmez-vous. Quand l'honneur me sait pas, vous taisez. Et puis, vous enseignez pas A plus B, ce qu'on appelle la marmaille de Facebook. Vous faites des guerres depuis que Facebook a monétisé. Parce que Facebook, c'est quoi? Oh Dieu là, quand vous suivez les guerres de l'honneur beauté, dès que tu te connais les publicités, donc Facebook lui paye. Moi, Facebook ne me paye pas. Soit même tu te moques de moi. Oh, j'ai tellement fait des infractions que Facebook ne me paye pas. Eh, moi, mais c'est où? Facebook ne me paye pas. Mola, plutôt, Bravador, souvent il a 12 millions par mois. Eh, si j'avais pas souvent 30 millions par mois là, j'allais avoir mal. Mais Facebook vous paye. Depuis que Facebook a commencé à monétiser vos pages, vous êtes devenus tous fous, comme des drogués. Tous les sujets, vous allez venir en Gen-Z. Rien que parce que vous voulez l'argent de Facebook. Mais il y a de l'argent de sang. Cet argent de sang là, la vidéo que tu as fait hier, même la vidéo que tu t'es mis à genoux aujourd'hui, tu sais que Facebook a te payé pour ça. Donc tu sais que tu es des filles. Que Facebook va te payer pour la vidéo pour laquelle tu es mis à genoux. Mais en temps normal, si tu étais sérieux, toutes les vidéos que tu as fait sur la petite Domi, la monétisation de tout ça, tu fais les captures. J'ai parlé de la fille là-bas. Il me dit ici, je t'ai dit que j'allais aller à toi pas à pas. Tu me dis ici que moi, lorsque je fais mes directs, que je suis payé. Oui, je suis payé à travers mes directs. Tu dis ici que moi, je parlais de l'affaire Fabienne juste pour avoir de l'argent. Mais j'aimerais ici te montrer devant la face du monde entier. Oui, ma tendre baby égarée. J'aimerais ici permettez-moi. Te montrer. Regardez ici. De vous dire que hier, j'ai fait une très mauvaise communication. Mathieu, mets-moi le logo de l'application. L'application, en vérité, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas la télécharger. Ceux qui sont en Afrique ne peuvent pas télécharger l'application. C'est une application où ceux qui sont en Europe téléchargent et puis ils envoient l'argent sur un numéro de téléphone en Côte d'Ivoire et toi tu peux aller retirer dans Orange Money ou MTN Money. Regardez. Voici dans le même direct de Fabienne, ici. Tu as dit que moi je suis venu faire un direct. Et à la fin du direct, j'ai parlé des Oscars. Je suis venu faire un direct. Et dans ce direct-là, j'ai été monétisé. Que je suis venu gagner l'argent sous le cas d'un viol. Mais voici celui qui est un homme exemplaire. Dans le même direct-là, tu fais la publicité. Cette publicité-là, moi, je l'ai faite. Où j'ai été payé pour ça. Ils m'ont payé 1 000 euros pour faire la publicité. Publicité de Tata Sen. Tu prétends venir défendre quelqu'un. Tu dis que moi, le Aboutou National, j'ai pris l'argent de con. Tu dis encore que moi, je suis venu m'asseoir. J'ai fait publicité des Oscars. Mais tu fais publicité ici durant le live. Tu fais publicité ici durant le live de Fabienne. Au fait, tu veux montrer aux yeux du monde entier que nous ne sommes pas des exemples. Que toi, tu es l'exemple. Mais en voulant, pensant que toi, tu es le plus intelligent, j'aimerais te dire que tu n'as jamais été intelligent. Et voici pourquoi Dieu te met à découvert. Toi-même, dans le même direct, tu fais la publicité. Tu prends de l'argent avec des gens. Mais tu interdis les gens de venir parler. C'est-à-dire que, au fait, tu avais une haine. Tu avais du mépris. Tu attendais le moment opportun de venir déverser ta haine. De venir déverser ta jalousie. De venir déverser ton mépris. Tu as saisi l'occasion pour essayer de me détruire. Mais tu n'as pas pu. Je suis avec toi ce soir. C'est maintenant la délivrance va commencer. On est parti. Je poursuis encore avec toi. Écoutons-le. Moi, j'ai vanuqué un petit voyou dans les rues, président d'une organisation. Je suis président de combien d'organisations? Le GMC, l'Association des consommateurs, la Commission protestante évangélique, l'Alliance chrétienne pour le vivre en Côte d'Ivoire. Et puis, on te parle, et puis, en plus, encore. Diplomate. Faut pas qu'il dise, diplomate. En Côte d'Ivoire, j'ai un statut de diplomate. Quand j'ai rien de mon pays, on ne contrôle pas mes bagages.
statut diplomate. Il faut bien regarder. J'aimerais dire que c'est seul en Côte d'Ivoire qu'un homme comme toi peut avoir un statut de diplomate. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu apportes à l'État de Côte d'Ivoire. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire d'avoir un statut de diplomate dans un pays. Quel est le boulot que tu fournis en Côte d'Ivoire? J'aimerais savoir. Voici un homme. J'espère que tous les pasteurs qui se prétendent être pasteurs en Côte d'Ivoire sont des diplomates. Parce qu'à part ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire d'avoir un homme pareil, avoir un statut de diplomate dans un pays de droit. Qu'est-ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire? J'aimerais savoir ici, est-ce que tous les pasteurs de Côte d'Ivoire ont un statut diplomate? Est-ce que tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire ont un statut diplomate? Je ne le pense pas. Mais où as-tu obtenu ce statut diplomate-là? À quel prix as-tu fait pour obtenir ce statut diplomate-là? J'aimerais savoir. Voici un pays où n'importe qui devient diplomate. Tu es diplomate étant quoi? Tu apportes quoi à la nation ivoirienne? Vociférer si Internet fait de toi un diplomate? Vociférer si Internet te donne le statut de diplomate? Parler si Internet en longueur de journée, insulter l'intimité des femmes, te donne le statut de diplomate? J'aimerais savoir. Attendez, je vais bloquer des gens tranquillement. Ce soir ici, je ne suis pas là pour m'amuser. On poursuit encore ensemble. Mais sur ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais je voulais signifier ça. Pourquoi tu es diplomate? Tu es ministre, tu es député, tu es maire, tu es commissaire, tu es général, tu travailles à la fonction publique, tu as obtenu ton passeport diplomatique, comment? On poursuit ensemble. Bête. Il y a vous délivrer aussi. Juste pour voir 13 000 personnes connectées. Là où c'est, on fait 40 000 personnes connectées. Juste parce que tu veux réussir un événement au détriment d'une petite fille ivoirienne violée. Juste parce qu'on veut l'argent de Facebook. Un, maudit vous êtes. Là où c'est, on fait 40 000 personnes connectées. Écoutez très bien. La concurrence. Vous êtes bête. Regardez. Il y a vous des niveaux aussi. Juste pour voir 13 000 personnes connectées. Là où c'est, on fait 40 000 personnes connectées. Je vous ai dit que ce gars, il a toujours été jaloux. Le jour où j'ai fait le direct à 1h du matin, j'étais suivi par 13 000 personnes. Il est venu dire, juste pour avoir 13 000 personnes connectées, là où c'était, on fait 40 000 personnes connectées. Il n'est que dans la concurrence. Il ne fait que penser qu'à lui. Ce monsieur-là n'a jamais rien fait pour quelqu'un gratuitement. N'a jamais rien apporté pour quelqu'un gratuitement. Et lorsque tu te rebelles, lorsque tu décides de ne pas être son chien de garde, tu deviens automatiquement son ennemi. Et il doit tout faire pour te détruire. Mais tu ne détiens pas la vie de quelqu'un. Voici pourquoi tu ne peux rien apporter à qui que ce soit dans ce monde. On écoute ici ensemble. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Écoutons-le. Tu veux réussir un événement au détriment d'une petite fille ivoirienne violée. Juste parce qu'on veut l'argent de Facebook. Un, c'est un manque de respect à toutes les femmes qui ont été violées dans le monde. Tu leur as manqué de respect hier. Tu leur as fait croire que tu vas dévoiler un violeur. Toutes les femmes violées se disent, on va tous les attraper. Et tu viens les dire, oh, dégagez ici. Hier, tu as fait ça. Je vous ai eu. Bien. C'est le quatrième manque de respect à ma personne. C'est un sabotage dans la quête de la vérité. Car tu as pris le camp de LPP et tu veux nous amener sur d'autres pistes. Je vais te dire une chose. Et c'est la dernière fois que je vais te parler. Ce livre, c'est le livre saint que j'avais en prison. Regarde bien ce livre. C'est le livre saint que j'avais en prison. Je suis sorti de la prison avec ce livre. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas le même esprit. On n'a pas le même Seigneur. Toi et moi, on ne combat pas dans le même combat. On n'a pas le même combat. On ne va pas dans la même direction. Jésus dit, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Hier, tu t'es lavé les mains.
aujourd'hui, moi, simplement et calmement, je te dis merci. Voici ton numéro. En mon affaire, je ne vais pas trop loin. Désormais, je te souhaite tout le bonheur du monde. Voici ici en direct. On était à 2 semaines des Oscars des blogueurs et influenceurs. Lorsque cet individu m'a bloqué en direct. Il m'a bloqué en direct pour quelle raison? Il m'a bloqué dans le but de saboter les Oscars des blogueurs et influenceurs. Parce qu'il savait très bien qu'en le faisant, certaines personnes allaient se retirer des Oscars. Il attendait le moment opportun pour déverser sa haine. Voici pourquoi il a effrayé, il a pris son téléphone et il m'a bloqué en direct. Pour vous montrer devant la face du monde entier qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai dissocié mon image d'Apoutou National. Parce que c'était le moment opportun. On parlait de l'histoire Fabienne. L'affaire était chaude. Et puis le monde était sur moi. Les gens cherchaient à me détruire. Voici le moment opportun. Qu'est-ce que je fais? Je le bloque en direct. Là, comme ça, tous ceux qui nous suivent vont dire, ah, Makoso, véritablement, il n'est pas pour le cas du viol. Makoso est un exemple. Makoso est ceci, Makoso est cela. Il a dissocié son image d'Apoutou National. Il a dissocié son image du blogueur qui a pris l'argent avec un violeur. Voici pourquoi tu l'as fait. Tu m'as bloqué hier devant le monde entier. Mais je vais ici te montrer une chose que tu as oubliée. On va aller au fin fond de l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons ici. Tu étais en direct sur la RTI. C'est pas pour partagez le direct, s'il vous plaît. La culture ou les écoutez. Acteurs du showbiz. Non, c'est pour les blogueurs les influenceurs. Et influenceurs. Donner une valeur à ces blogueurs et ces influenceurs. Ces derniers-là font partie de la culture, non? La culture ivoirienne. Bon, comme ils ne sont pas encore reconnus au Buriday, autant, bon, ça encore, c'est un autre championnat. Bon, voilà, c'est un autre je rappelle, c'était à la, okay. À la réunion bilan que Apoutou a donné justement ces propos-là. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Oh. Donc, d'abord, l'initiative, c'est. D'abord, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, les blogueurs influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, ça peut être, je pourrais le dire, un moment de retrouvailles, un moment de récompense et un moment de boost. Ouais. Ça peut le booster lorsque tu as un prix haute à terminer, être encore meilleur, encore, je pourrais le dire, te battre et autres. On peut même ajouter à cela encore les coachs des réseaux sociaux, autres, et même des web, je pourrais le dire. Donc, tous ceux qui sont acteurs sur la toile, c'est une très, très, très belle initiative. Ouais. Voilà. Pourquoi vous n'y étiez pas? Bon, je n'y étais pas parce que j'avais d'abord annoncé que je n'allais pas y être pour 2 raisons. Oui. Première raison, je suis pasteur. D'accord. Voilà, donc un moment où il y a l'alcool, il y a les trucs, c'est pas mon monde. Et puis en France, tout ce qui est milieu noir, là où les noirs se retrouvent, je ne vais pas là-bas. Pourquoi? Le gars nous a dit ici, je ne suis pas venu aux Oscars parce que je suis pasteur. C'est-à-dire un pasteur, il ne va pas là où il y a le blogueur, là où il y a les influenceurs. Parce que le Dieu que lui prie est un Dieu qui est venu pour les riches. Il n'est pas venu pour les pauvres. Jésus a dit, allez-y prêcher l'évangile aux prostituées. Allez-y prêcher l'évangile à ceux qui sont dans les bars. Le Dieu qui est venu sur la terre, il n'est pas venu pour convertir ceux qui connaissent déjà sa parole. Mais il est venu pour convertir ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand Dieu est venu sur la terre, il n'est pas venu pour sauver ceux qui connaissaient déjà sa parole. Mais il est venu pour sauver ceux qui ne connaissaient pas sa parole. C'est pourquoi Jésus lui-même est parti là où il y avait les prostituées. C'est pourquoi Jésus lui-même s'est fait laver le pied par une prostituée. Pour dire à la face du monde entier, je suis venu pour vous. Je suis venu pour enlever le péché. Je suis venu pour vous montrer que vous êtes aussi mes enfants. Voici le message de Dieu sur la terre. Mais voici un homme qui nous dit ici, il n'est pas venu aux Oscars parce que lui, il est pasteur. Pourtant, il va dans chaud de coupé décalé de Maurice le Moulard ou en vend bouteille de champagne. Mais je ne suis pas encore venu à là. Nous allons poursuivre ensemble. Je vais te démasquer et te montrer véritablement qui tu es. Ta jalousie et ta haine. Vouloir voir les Oscars détruits. Parce que pour toi, rien ni personne ne doit créer quelque chose si ce n'est pas que toi. Mais tu n'as pas la science infuse, mon gars. En aide-toi aujourd'hui, ce soir. Non, c'est tout de problème. Vous êtes tout aussi noir que. Oui. Vous appartenez à la même communauté. C'est-à-dire, quand les noirs se déplacent, ils viennent pour moi.
Mais moi, il ne me déplace pas pour aller pour quelqu'un. Non, vous n'apportez pas votre soutien à d'autres Noirs comme vous, si, vos compatriotes qui organisent des événements. Ma présence est compliquée parce qu'au niveau de la France... Qu'est-ce qui la complique? Mais vous me voyez à tous les événements, même en Côte d'Ivoire? Mm-hmm. Non. Vous m'avez vu une fois à Primus, mm-hmm. une fois au conseil des civiques de Baté, qui est mon fils, mm-hmm. et puis une fois au festival, au programme. C'est-à-dire, regarde comment lui-même, il dit, est-ce que vous m'avez déjà vu à des événements? Il dit non. Après, il dit que non, vous m'avez une fois vu au Primus, vous m'avez vu une fois vu dans le truc de Sidi Diabaté, vous m'avez une fois vu dans le truc de Elie Zuno. Mais tu dis que tu ne vas pas dans les trucs comme cela parce que tu es pasteur. Mais comment en même temps tu peux dire que je suis parti au Primus, je suis parti ceci, toi seul tu es parti dans combien de coins? On écoute et puis on écoute la journaliste. Écoutez très bien. Hein. Ça est compliqué parce qu'au niveau de la France... C'est compliqué. Mais vous me voyez à tous les événements, même en Côte d'Ivoire, mm-hmm. non. Vous m'avez vu une fois à Primus, mm-hmm. une fois au conseil des civiques de Baté, qui est mon fils, mm-hmm. et puis une fois au festival, au programme de Eunice Zunon, mm-hmm. qui, ouais. qui est ma fille. Je suis Aïe Céleste Moa. Je suis Didi Bé. Comme nous, Adam. Fresh. C'est des spectacles où j'y vais, mais au niveau de la France, d'abord pour deux raisons. La première raison, c'était d'abord ça. Et la deuxième raison, il y a eu beaucoup d'incompréhension avant l'événement. Entre qui et qui? Ah, Stéphane et moi, il y a eu beaucoup d'incompréhension. D'accord. Lesquelles? Je lui ai même signifié cela à deux, à trois reprises, même à sa mère et autres. À trois reprises, vous savez, tu peux être Peter 00, ça peut faire une vidéo, mais clasher. D'accord. Ça passe parce qu'on n'est pas dans le même game. Mais tu ne dis pas que je suis ton père et tu fais une vidéo quand je suis, par exemple, en clash avec Chris Yapi dans le but de me descendre. Et toi, depuis que tu as perdu ta femme et autres, on a l'impression que tu as perdu l'onction, tu ne veux plus servir Dieu et aller saisir toi. Bon, c'est Apoutou qui vous dit ça. Je me dis ça. Je vous ai dit, si, dès le départ du direct, qu'il avait la haine vis-à-vis de moi. Parce que je ne l'ai pas soutenu dans l'affaire Chris Yapi, je ne l'ai pas soutenu dans l'affaire depuis 2007. Lui-même le dit ici dans le direct. Je vous ai démontré parce que je vais aller pas à pas pour vous dire à quel moment sa haine a commencé vis-à-vis de moi pour qu'elle arrive aujourd'hui là où nous sommes. La famille, ce soir ici, je parle avec le cœur. Ces 24 000 personnes qui sont connectées ce soir ici, j'aimerais vous dire, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. Dans 1 Corinthiens 7 à 8, il est écrit, « Seigneur, le jour du jugement dernier, les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu, viendront dire, mais Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton nom? N'avons-ils pas évangélisé à ton nom? N'avons-ils pas converti des âmes à ton nom? N'avons-ils pas envoyé des hommes et des femmes au paradis à ton nom? Et Dieu leur dira, éloignez-vous de moi, démon, car je ne vous ai point connu. C'est pas tout ce qui parle de Dieu qui vient véritablement de Dieu. C'est pour vous dire, ayez peur des hommes de Dieu qui ne font que parler de l'argent, qui ne font que parler de la sorcellerie, comme si le monde entier se résumait qu'à la sorcellerie. Ta mère est sorcière, ton père est sorcière, ta mère est sorcière, ton père est sorcière. Je me déplace pour aller délivrer les gens en France, mais pourtant quand j'arrive en France, tout ce que je délivre quitte ailleurs. Voici un homme de Dieu qui vend une dorsion, qui vend vin de canard, qui vend un V que Jésus a fabriqué en l'an 32. Jésus a fabriqué en ce moment, il commençait à parler de l'évangile. Mais lui, il a ce V-là aujourd'hui au 21e siècle et il le vend. Je vends une option pour mariage. Personne n'est marié dans ma famille. Je vends une pour que les gens soient milliardaires. Pourtant, moi-même, je ne suis pas milliardaire. J'ai acheté une maison en France. J'ai une maison en Côte d'Ivoire et je suis locataire. Voici un bandit déguisé qui vous vend du rêve. Et qui vous pense, et vous pensez que ce monsieur est en train de vous montrer véritablement la vraie vie et le chemin à suivre. Il ne vous montre pas le chemin à suivre. Tu as trop vendu du rêve aux gens. Le moment opportun est arrivé pour que tu descendes sur la terre. Tu penses tout connaître, mais tu ne connais pas plus loin que le bout de ton nez. On poursuit ensemble. Bon, pas écoutez, une fois, deux fois et autres. Et puis lorsqu'il y a la fête de la petite Fabio haute, tu m'appelles en plein direct, coupe ton direct, j'ai des révélations à faire, j'ai le nom du premier violeur, je vais donner son identité, je coupe mon direct, je partage ton direct, et tu me dis, bah, écoutez-moi cette histoire de famille, moi je ne m'intéresse plus aux autres, une histoire de viol, c'est pas un jeu. Donc depuis ce jour, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, ton image et mon image se dissocient à vie. À vie? Ouais. Pour un pasteur? Je pense que j'ai... C'est trop fort. Mais tu as dit si... À cause de l'affaire Fabienne, que toi et moi, notre image est dissociée à vie. Quand il dit à vie, c'est-à-dire que tant que je vivrai, tant que toi tu vivras, toi et moi on ne doit plus être ensemble. On ne doit plus s'asseoir ensemble. Ce sont les paroles d'un homme de Dieu. Celui-là même qui est venu convertir les âmes, voici les paroles d'un homme de Dieu.
Celui-là même qui est venu prêcher l'évangile dans le but d'envoyer tous ceux qui sont égarés sur le royaume des cieux. Voici les paroles d'un homme de Dieu. Dieu a dit, celui qui te gifle sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Il sait pourquoi il a dit. Mais tu n'as jamais prêché l'évangile. Tu ne connais aucun verset biblique. Quand tu veux parler de Dieu, tu t'as regardé un film de Jésus. Sur Internet, sur YouTube. Pour venir parler de Dieu. Tu n'as jamais pris ton temps pour parler de Dieu. Quand tu veux regarder un film de Dieu, tu t'en vas prendre film de Jésus sur Internet. Film de Moïse. Tu ne fais que réciter des choses qu'on dit dans les films. Je n'ai jamais vu un pasteur pareil. Je n'ai jamais vu un pasteur pareil qui ne connaît aucun verset biblique. Quand il veut parler d'un verset biblique, il regarde la terre et puis il parle. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il va dire. C'est écrit. Il s'est regardé le film de Jésus et puis il veut parler. Jésus a marché sur la mer. Tout le monde sait que Jésus a marché sur la mer. Qui n'est pas au courant? Jésus avec un bâton. Tout le monde sait que Jésus avec un bâton. On a tous regardé le film de Jésus depuis qu'on est petit. Moïse était barbu. Mais tout le monde sait que Moïse était barbu. Il s'en prend les choses sur les films. Il s'en va sur YouTube. Il tape Moïse. Il tape Abraham. Il tape Joseph. Et puis il vient nous embrouiller, nous appauvrir. Mais comme il sait que parmi nous les Noirs, il y a des ignares qui ont la paresse de prendre la Bible, cette Bible-là, et puis la lire, voici pourquoi il vient nous parler des choses qui n'ont pas de sens. Voici pourquoi il vient nous parler des choses qui n'ont pas de sens. C'est parce que l'Africain est appauvri mentalement que toi, comme cela, tu vas te prétendre être un homme de Dieu. Sinon, un homme qui est normal, qui a toute sa science, qui a tout son intellectuel, ne peut pas t'écouter en train de prêcher l'évangile et puis dire Amen. Parce que tu ne connais rien dans l'évangile. Tu ne fais que parler de l'argent. Je suis riche. Je suis milliardaire. J'ai beaucoup d'argent. J'ai 30 millions par mois. J'ai 20 milliards par mois. J'ai 55 milliards par mois. J'ai 200 milliards par mois. Tu attends quoi pour payer jet privé? Ton argent, depuis tu fais 700 millions par an, tu n'as pas payé jet privé. Adam, hein? On peut faire ça. On peut avoir 700 milliards par an et puis ne pas payer jet privé. Jet privé qui coûte même 8 millions d'euros, tu peux pas jet. On peut avoir 700 milliards par an. Ça fait au moins peut-être 10 ans, tu gagnes 700 milliards par an. Mais là, là ça n'augmente jamais. On n'a pas vu l'immeuble que tu as construit. On n'a jamais vu quelque chose. J'ai 20 maisons, j'ai 30 maisons. Je suis propriétaire en France. Toi, tu payes propriétaire en France. Tu penses que pour être en France ici, là, pour payer maison en France ici, là, on se lève comme ça pour payer maison. Tu penses que c'est à Abidjan? Ou tu peux te lever comme ça pour aller payer maison à Abidjan? Ici en France, tu vas justifier où ton argent quitte. Tu ne peux jamais être propriétaire en France. Parce que ici en France, tu vas justifier ton argent quitte. Tu fais qu'un travail, tu ne fais rien. Tu es un vendeur de huile d'option. Tu te promets pour vendre 20 des canards. Je vends 20 des canards. Je vends une option. Tu veux te marier, viens à moi. Tu veux être milliardaire, viens à moi. Qui est venu à toi qui s'est déjà marié? Personne. Que dalle. Tu es un vendeur d'illusions, monsieur. Et aujourd'hui, l'Afrique sera découverte. Le monde entier va voir véritablement qui tu es. Parce que tu n'as jamais prêché l'évangile. On est fatigué d'écouter les faux hommes de Dieu qui ne font qu'appauvrir l'Afrique. L'Afrique ne se résume pas à Jésus. Et puis Jésus même là, le Jésus qui en parle n'est pas votre Jésus que vous parlez là. Parce que le vrai Jésus est celui qui est venu pour prêcher l'évangile. Celui-là même qui est venu apporter la bonne nouvelle. Mais vous, votre Jésus n'est pas un bon Jésus. Parce que c'est un Jésus menteur. Le Jésus que nous prions, le Jésus que nous abaissons matin, midi, soir, est un Jésus sauveur. Est un Jésus qui prend la paix. Est un Jésus qui prend l'amour. Est un Jésus qui est venu pour aider ses enfants à rentrer dans le royaume des cieux. Mais votre Jésus n'est pas un vrai Jésus. Je poursuis avec toi. Ce soir ici, je t'ai dit que je vais te prêcher l'évangile. Tu n'as jamais connu Jésus, mais je vais te parler qui est Jésus ce soir. Prends ton tabouret. On va commencer. Une chose, la séparation même vient de Dieu. La Bible nous enseigne que plutôt Abraham et Lot se sont séparés lorsqu'il y a conflit. C'est-à-dire qu'il ne dit jamais rien. Il n'a jamais donné aucun verset. Et quand il parle à chaque fois, il prend des choses de films, de dessins animés là. Et puis il veut s'asseoir. Il n'a jamais donné un verset quand il dit ces choses de Jésus là. La Bible me dit que qui? Écoutez. Moi, je ne m'intéresse plus aux autres. Une histoire des autres, ce n'est pas un jeu. Donc, depuis ce jour, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, ton image. Tu as dissocié mon image. Je peux interpréter d'autres choses. Je préfère être dans mon coin. Je préfère dans ton coin. Mais Dieu me mettra qu'un jour, on se retrouve. Attends. Moi, je coupe mon direct, je partage ton direct. Et tu aussi, à vie. À vie? Ouais. Pour un pasteur? Je pense que j'ai. Tu peux être trop fort? Je vais vous dire une chose. La séparation même vient de Dieu. La Bible nous enseigne que Abraham et Lot se sont séparés. Lorsqu'il y a conflit. Pour ne pas que demain, on puisse interpréter d'autres choses. Je préfère être dans mon coin. Tu dis Abraham et Lot se sont séparés. Tu ne donnes jamais de verset. Mais toujours Abraham et Lot se sont séparés. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais avancer. La famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Il ne faut pas signaler le direct. C'est pas un jeu.
La séparation. Ils sont méchants. Ah bon? Oui, très méchants. Vous aussi? Je ne suis pas un blogueur. Ah, écoutez ici. Écoutez ici. On se retrouve. Alors, général, depuis votre coin, qu'est-ce que vous pensez quant à la crédibilité de cette cérémonie? Oui, bien sûr. La moindre des choses, quand tu dois afficher quelqu'un, tu m'informes. Ah, et puis tu m'envoies même un courrier. Mm-hmm. On va vous afficher. Je suis quand même dirigeant d'une institution. Donc vous n'avez pas été informé, vous n'avez pas été invité. Non, on t'invite pas. Tu nous fais croire ici que moi, je t'ai pas invité aux Oscars. Que moi, le Aboutu National, je n'étais pas informé des Oscars. Je vais vous démontrer la preuve ici, et c'est lui-même qui va vous la montrer, que je l'ai invité aux Oscars. Que moi, je l'ai appelé, et puis je l'ai invité aux Oscars. Je t'ai dit ici, je ne vais pas montrer aucun message qu'on a eu ensemble. Parce qu'à chaque fois que tout le monde a eu des messages ensemble, c'était confidentiel. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je vais te montrer ici par A plus B, que toi et moi, on a parlé, et que je t'ai montré. Et que je t'ai dit, je te montre ici. Je te montre. Attendez. Regardez ici. Regardez. Regardez bien ici. Hein. Je vous montre. Je te dis merci. Je bloque ici. Regardez. C'est mon nom qui est affiché là quand il était temps de me bloquer. Vous regardez. Voici le truc des Oscars. Que je lui ai envoyé par message. Il a dit à la télévision que moi, je ne l'ai pas invité. Voici pourquoi lui, il n'est pas venu. Mais voici la preuve en est ici, que je lui ai envoyé. Je lui ai bien envoyé. Voici ça qu'elle a ici. Je lui ai envoyé le truc. Voici ça qu'elle a ici. Quand il me bloquait, c'est sorti ici. Je ne vais même pas rentrer dans mon téléphone pour le montrer, parce que je n'ai pas envie de montrer nos conversations. Mais voici la preuve en est, que moi, je t'ai envoyé. Voici la preuve en est, que je t'ai envoyé l'affiche que tu as refusé de partager. Parce que pour toi, pourquoi est-ce que c'est Aboutu National qui crée les Oscars? Pourquoi est-ce que c'est Aboutu National qui devient celui-là qui envoie une idée de génie sur la toile? Parce que toi, tu n'as jamais rien voulu que ça soit sur les autres. Pour toi, tout doit tourner autour de toi. Voici pourquoi tu as dit hier que tu dissocies ton image de moi. Tu n'attends plus rien, comment? Comment ça, vous n'attendez plus rien? Vous attendez, mais vous n'attendez pas. Je ne comprends pas. J'aimerais, tu as dit hier que toi, tu dissocies ton image de moi. Mais avant d'écouter dans ton direct, que tu as eu à faire hier, écoutons-le. Et que je sais que jamais je n'ai tenu des propos à ton encontre comme tu l'as fait vis-à-vis de moi. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Au stade où nous sommes arrivés, peut-être te poser au-delà. Donnez-moi mon chariot, s'il vous plaît. Est-ce que dans ton cœur, tu te sens bien? De sentir dans ton âme qu'il y a des incompréhensions avec les uns et les autres. Ai-je raison? Ai-je tort? Aujourd'hui, je n'ai pas raison. Je donne la raison à toi, Stéphane. Je te regarde droit dans les yeux. Et si un jour, moi, Camille Makosso, dans l'un de mes propos, j'ai eu à te blesser, ou tu t'es senti frustré dans ton âme, je viens, moi, au travers de toutes ces pages, dire que je n'ai pas raison, je t'accorde toute la raison et je demande pardon. Oui. Voici aujourd'hui Makosso qui me demande pardon en direct. Pourtant, moi, hier, je me suis mis en genoux dans Paris. Tellement l'affaire Fabienne avait pris une tournure. Je me suis mis en genoux pour demander pardon à toute l'Afrique. Pour dire j'ai voulu bien faire. Mais l'affaire m'a dépassé. Tu n'as pas regardé ça. Tu as dit que mon pardon n'était pas sincère. Et que toi aujourd'hui tu dissocies ton image de moi. Mais quand tu veux voler l'idée des jeunes. Comme aujourd'hui tu es devenu blogueur, quitté de pasteur à devenu blogueur, tu viens t'asseoir pour venir instrumentaliser encore le peuple africain, pour venir démontrer à la face du monde entier que toi, tu viens demander pardon. Pourtant, c'est un pardon méchant, un pardon qui n'a aucune tête ni queue. Tu veux montrer à la face du monde entier que toi, tu as la science infuse. Tu veux montrer à la face du monde entier que toi, tu es le plus intelligent. Voici pourquoi tu viens demander pardon. Parce que tu veux aujourd'hui
que nous en viennent dans la ligue des blogueurs. Mais il a fallu que je crée les Oscars des blogueurs pour frotter ton orgueil, quoi. Mais monsieur le plus intelligent, tu attendais quoi? Tu attendais quoi pour avoir la réflexion de créer la ligue des blogueurs? Mais tu prétends ne pas être blogueur, mais comment c'est toi tu vas être président des blogueurs? Parce qu'au fait, tu as toujours jalousé les gens sur Internet. Pour toi, tout doit se résumer autour de toi. Pour toi, tu dois être celui-là que tout le monde doit regarder. Tu dois être celui-là que tout le monde doit écouter. Tu dois être celui-là que tout le monde doit voir. Mais tu as dit hier que tu dissocies ton image de moi. Mais comment soudainement, tu viens me demander pardon et tu m'appelles de venir rentrer dans la ligue des blogueurs? Je ne peux pas comprendre ça. Tu es un manipulateur. Tu es le plus grand brebis égaré d'Internet. Et moi, je te dis ce soir ici, c'est moi qui dissocie mon image de toi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, de près ou de loin. Tu passes à Monaco, moi je passe à Londres. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Parce que l'homme qui veut me détruire, je ne vais jamais me coller à lui. Je n'accepte. Ton pardon me dit même là, ce n'est même pas un pardon. Parce que je n'ai pas besoin du pardon. Parce que je ne t'ai jamais haï. Je n'ai jamais rien gardé dans ton cœur, dans mon cœur. Mais comme tu veux me détruire, je vais te montrer que moi, je ne veux plus jamais m'asseoir devant toi. Je me suis mis en genoux en plein Paris. Et j'ai demandé pardon pour l'affaire Fabienne. Tu n'as pas écouté. Tu es venu faire direct pour essayer de me descendre, me détruire devant la face du monde entier. Ton affaire n'a pas marché. Je suis allé au bout des Oscars. J'ai réalisé mon rêve. J'ai rempli la salle avec tous les blogueurs et influenceurs qui se sont déplacés. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir parce que tu es un voleur de projet. Tu n'as jamais rien créé. Parce que toi, tu ne peux jamais rien créer. Tu n'as jamais rien apporté parce que toi, tu ne peux jamais rien apporter. Je t'ai demandé pardon devant la face du monde entier. Tu n'as pas accepté. J'envoyais même des hommes de Dieu te demander pardon, tu les as jetés. Allô? Allô? Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est coupé comment? Je suis en direct. Parce que tu attendais le moment opportun de me détruire. Mais comme aujourd'hui, tu veux montrer aux yeux du monde entier que toi, tu es le plus intelligent, parce que tu es un manipulateur. Tu viens t'asseoir pour dire que tu me demandes pardon. Tu as dit hier ici que Emmanuel Keïta, que toi, tu ne veux rien avoir avec elle. Tu as traité son mari ici hier de CDR. Mais comme aujourd'hui, tu veux voler l'idée des jeunes. Tu veux voler l'idée d'un enfant. Et tu viens t'asseoir pour dire, j'organise une soirée le 3 à Paris, le 3 septembre. Pourtant, tu sais très bien que moi, j'organise mon Oscar le 10 septembre. Mais tu organises ça le 3. Si ce n'est pas de la haine et de la jalousie. Si ce n'est pas de la méchanceté. Si ce n'est pas quelqu'un qui veut voir les gens à terre. Si ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas voir l'évolution des autres. Tu as toujours consommé en toi la haine, la jalousie. Parce que pour toi, tout doit tourner autour de toi. Mais ta vie ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour toi. On ne vit pas pour toi. On ne respire pas pour toi. Tu n'as pas la science infuse. C'est moi qui te l'ai dit. Tu n'es pas blogueur, reste dans ton monde là-bas. Tu dis, tu es pasteur, faut aller combattre avec Gédéon. Va combattre avec les hommes de Dieu et laisse-nous dans le monde de blogueurs. Tu l'as dit que tu n'es pas blogueur. Mais pourquoi aujourd'hui, tu deviens subitement le président des blogueurs? Qui t'a nommé président? Pourquoi aujourd'hui, tu veux devenir le président des blogueurs? Pourtant, tu as dit hier que tu n'étais pas blogueur. Au fait, tu n'as jamais voulu me voir prospérer. Tu n'as jamais voulu me voir évoluer. Tu n'as jamais voulu me voir sortir la tête de l'eau. Ta jalousie te donne quoi? La méchanceté te donne quoi? C'est ce que j'aimerais savoir. On poursuit ensemble ici. Je te montre ici ce que tu m'as dit. Et puis, tu es ridicule. On poursuit encore. Tu dis, mais attends, tu t'es un gars de méchant, de voleur, de haut, et tu t'es emprunté de l'argent avec lui. Ta femme à couille, c'est lui qui t'aime. Soyons bien. Voici ma personne ici qui me dit que moi, ma femme accouche, que moi, je lui emprunte de l'argent. Vous savez, dans la vie, quand tu as la bénédiction sur ta vie, tout ce que tu fais, ça ne fait qu'aboutir. Ça ne fait que prospérer. Je vais vous montrer ici un direct, le jour de direct de Chris Yapi, que j'ai fait. Je vous montre ici le direct. Écoutez très bien. Donc, avant de poser les actes, il faut te dire que derrière toi, là, il y a beaucoup de personnes qui sont sur ton épaule. Et moi-même, j'en fais partie. Parce que le nombre de fois que tu m'as rendu service là, je ne peux compter le vieux.
Mais personne ne le sait. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements, tu m'as donné 1000 euros. Tu dis, petit, tiens, 1000 euros, il faut te défendre avec. Quand mon enfant est venu au monde, tu m'as donné 1000 euros. Tu as dit, petit, tiens, les 1000 euros là, il faut payer ça avant pour ton enfant. Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, je te le dis. Tu sais pourquoi dans le direct ici, j'ai dit que tu m'as donné 1000 euros? J'ai dit aux gens que tu m'avais donné 1000 euros là cadeau. Mais pourtant, tu m'avais donné 1000 euros là avec crédit. Et tu m'as fait signer papier. Mais tellement je voulais te grandir devant le monde entier. J'ai dit que tu m'avais donné les 1000 euros cadeau. Et pourtant, tu m'avais fait signer papier. Je savais qu'un jour, tu allais venir t'asseoir pour me refaire la même chose que tu as fait à Johnny Pacheco. Quand tu as donné 1000 euros à Johnny Pacheco, tu es venu t'asseoir sur Internet pour dire que tu lui as donné 1000 euros lorsqu'on l'avait tabassé. Parce que toi, tu ne fais jamais rien pour rien. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, tu attends le moment peut-être dans le vide de venir montrer à la face du monde entier ce que tu fais pour les autres. Parce que toi, tu n'as jamais rien fait cadeau, en fait. J'ai démontré ici que tu m'avais donné 1000 euros quand ma femme avait accouché. Pourtant, c'est toi-même qui m'as envoyé les 1000 euros de ton propre gré. Tu m'as donné ça gratuitement. Je ne t'ai même pas appelé pour dire que ma femme a accouché, ma sienne, c'est l'auto. Je t'ai juste annoncé que ma femme a accouché. Et puis, tu m'as donné l'argent là. En ce moment-même, ma femme même n'avait même pas encore accouché. Les 1000 euros que tu m'as donné. C'est toi-même qui m'as appelé pour dire je vais te donner un cadeau. Tu m'as donné les 1000 euros. Les deuxièmes 1000 euros, c'est quand j'ai créé ma marque de vêtements. Je t'ai appelé pour dire le vieux, je dois aller prendre mon stock. Donne-moi 1000 euros. Prêt, après, je vais te remettre. Je suis parti prendre les 1000 euros. Tellement tu avais la haine dans ton cœur, tu m'as fait signer papier. Parce que tu te disais que peut-être je n'avais pas remboursé les 1000 euros. Donc tu allais attendre le moment opportun pour venir le dire. Parce que quand tu fais du bien aux gens, tu viens le dire. C'est comme ça vous êtes. C'est comme ça tu es. Aujourd'hui, la preuve en est. Voici Baisse de Flora. Voici Sarah Messan. Aujourd'hui, on dit que même ils savent prendre de l'argent avec toi juste parce qu'ils n'ont pas partagé un direct sur les pages. Juste parce que tu as eu besoin d'eux dans le but de venir cracher ton venin sur moi et sur le comité d'organisation. Parce que pour toi, voir des jeunes évoluer, prospérer, ça ne t'arrange pas. Tu dois être celui-là qui doit tout diriger. Tu dois être celui-là qui doit être à la tête. Tu dois être celui-là qui doit être celui-là qui on doit dire que tu es le plus intelligent. Aujourd'hui, vous venez dire que Baisse de Flora et Sarah Messan vont prendre l'argent chez vous. Parce que vous, au fait, vous attendez le moment opportun pour venir donner les gens à la vérité populaire. Vous attendez le moment opportun pour venir déverser vos haines. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce soir ici, je ne m'attarde pas sur les autres. C'est toi ma cible. Parce que c'est toi qui veux me détruire. Je vais te montrer ici une autre vidéo. Et c'est sur cette vidéo-là que nous allons commencer maintenant. Mais un homme qui fait du bien. Écoutons. Un homme qui est juif. Partagez le direct. Tu l'as appelé pour lui dire, vieux père, j'ai besoin de toi. Et tu t'as rendu service. Ne retourne jamais contre cette personne. Quelqu'un qui t'a donné un jour de l'eau à boire à une période où ta femme a accouché, qui a compté 1000 euros qui t'a envoyé. Voici le bien que tu as fait hier, que tu viens l'exposer. Mais est-ce que moi je parlais du bien que moi je t'ai fait dans le moment où toute ta vie était en train de s'écrouler? Si moi je vais parler de ma poitrine que moi je donne, tu peux me payer tous les directs que j'ai fait pour toi dans le passé. Tu peux me payer ça. Au fait, toi, tu n'as jamais dit merci à quelqu'un. Tu n'as jamais dit merci à quelqu'un. Parce que pour toi, au fait, les gens sont des animaux. Et que toi, tu es celui-là qui est le plus intelligent. Tu m'as donné 1000 euros. Tu penses que 1000 euros pouvaient faire quelque chose? Quand je faisais mes directs pour t'apporter mon soutien, tu penses que 1000 euros peut le faire? Tu pouvais me payer? J'ai donné ma sueur. J'ai donné ma transpiration. J'ai donné mon énergie. Tu n'as jamais été pasteur. Parce qu'un pasteur est celui qui donne. On dit ce que la main droite a donné, la main gauche ne doit pas savoir. Mais tu fais du bien aux gens. Tu attends le moment opportun pour venir exposer ça sur les réseaux sociaux pour te dire que toi, au fait, quand tu donnes à quelqu'un, c'est pour que la personne te soit condamnable. Mais tu ne peux pas condamner quelqu'un. Tu ne peux jamais condamner quelqu'un. Tu ne peux jamais condamner quelqu'un. Ok. Voici la partie où tu m'as maudit. C'est cette partie-là qui m'intéresse. Attendez. Pour réussir, non, tu ne réussiras jamais. Écoutez. Tu vas rentrer dans le commerce d'habits, tu vas taper poteau. Toi, tu vas poser tes amis. Tu vas rentrer dans Ojo, tu vas taper poteau. Écoutez ici.
Mettez le cœur, la famille. Mettez le cœur. Écoutez-y. Tu vas rentrer dans le commerce d'habits, tu vas taper poteau. Toi, je vais porter tes amis. Tu vas rentrer dans Ocho, tu vas taper poteau. Il est dans tout ce que tu as fait. Parce que l'intention n'est pas bonne. L'intention est mauvaise. L'intention est de ridiculiser les gens. Tu vas même faire chanson. Parce que dans ta chanson, tu as pour intention de vouloir miner les gens. Ça n'a jamais monté qu'à 300 000 vues. Voici un homme qui n'a jamais eu véritablement Dieu en lui. Tu dis ici, je vais faire habit, ça ne va jamais aboutir. Parce que tu maudis mon commerce. Tu dis encore, je vais faire chanson. La chanson là, ça ne va jamais atteindre 300 000 vues. Ma chanson aujourd'hui a 900 000 vues sur YouTube. Tu ne fais que prêcher la malédiction. Tu ne fais que prêcher la haine et le mépris. Je te dis si ce soir que toi et moi c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Parce que je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. De la même manière que tu as dissocié ton image de moi hier, c'est de la même manière que je dissocie mon image de toi. Parce que hier, tu n'as pas voulu mon pardon. Et aujourd'hui, tu vas venir me demander pardon parce que toi, tu es en train de créer la ligue des blogueurs. Parce que toi, tu veux être celui-là qui doit diriger. Tu dois être celui-là qui doit avoir la science infuse. Maintenant, si nous allons rentrer maintenant dans l'étape suivante. Et on va t'écouter. Regardons-le. Et que je sais. Attendez. Que je... Et il y a des décisions politiques qui se prennent. On vous a surpris, malheureusement, en train de fomenter certaines choses avec apparemment des personnes bien placées de l'État. Cela a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux. On vous a traité de manipulateur. Quand vous dites fomenter, oui. Il faut bien expliquer. Vous voulez que je... Il y a une élection présidentielle. Alors, j'ai mis en place une stratégie pour qu'on me donne beaucoup d'argent. Alors, écoutez, monsieur. Depuis quand l'argent est péché? Ah, mais là, ça, tout dépend de comment on obtient cet argent, cher pasteur. Attendez, madame. J'ai 10 000 pasteurs. Oui. J'ai l'église évangélique. Oui. J'ai dit à un homme politique. Oui. Donnez-nous beaucoup d'argent pour que nous puissions aller donner aux pasteurs. Pour qu'ils puissent. Pouvoir... Voici ici, il nous dit que lui, il a 10 000 pasteurs. Il a 10 000 pasteurs, il a 7 millions d'évangéliques. C'est-à-dire que toi, tu veux venir prendre les blogueurs pour aller les vendre aux hommes politiques. Nous ne faisons pas la politique, nous. Nous, on ne nous vend pas. Le projet d'aller créer la ligue des blogueurs, c'est pour aller voir nos autorités de la Côte d'Ivoire, pour leur dire, je suis le président de tous les blogueurs africains. Donc, pour qu'on puisse vous voter, pour qu'on puisse vous faire tant de temps, donnez-nous telle somme et cet argent-là, tu vas prendre pour mettre dans ta poche. Mais tu ne seras jamais le président des blogueurs. Parce que tu ne vas pas nous vendre comme un bétail politique. Tu ne vas pas nous vendre aux électeurs. Tu ne vas pas nous vendre aux hommes politiques parce que nous ne faisons pas la politique. Nous parlons des faits des sociétés. Nous parlons des faits des sociétés et nous envoyons les êtres humains, les politiciens à se pencher, à se pencher sur notre cas. Tu ne vas jamais au grand jamais. Je dis bien, jamais au grand jamais. Nous vendre aux hommes politiques, ça jamais. Ça, jamais tu ne vas nous vendre. Jamais de la vie tu vas nous vendre aux hommes politiques. Je demande ici à tout le monde d'enregistrer la vidéo. Parce qu'apparemment, je ne sais pas s'il y a le cœur ou pas. Allô? Oui. Okay. Tu ne vas jamais nous vendre aux hommes politiques, jamais de la vie. Tu t'es assis et tu allais créer la ligue des blogueurs. Lorsque j'ai créé les Oscars de blogueurs, automatiquement, vous avez dit que non, il faut un comité de blogueurs. Très intelligent, je suis allé créer le comité de blogueurs. Mais je n'ai jamais mis ça au devant des choses. Aujourd'hui, voici la présidente qui s'appelle Evige de Milan. Voici aujourd'hui Jessica qui est vice-président. J'ai mis le comité de blogueurs. Ça ne m'appartient même pas. Ça appartient à Evige de Milan et Jessica et tous les membres du comité de blogueurs. Aujourd'hui, nous voulons apporter un plus à la nation africaine. Nous voulons changer notre manière de faire du blog. Nous voulons apporter quelque chose de nouveau à l'Afrique. Mais toi, tu veux nous envoyer en arrière et nous vendre comme des bétails. C'est nous que toi, tu vas aller prendre pour aller donner ça aux politiciens. C'est nous que toi, tu vas prendre pour aller nous vendre aux hommes politiques. Jamais de la vie, tu ne vas nous vendre. Jamais de la vie, tu ne vas nous vendre aux hommes politiques. Jamais de la vie, toi, tu vas nous vendre aux hommes politiques. Jamais de la vie, parce que nous ne sommes pas des bétails. On a tous les politiciens africains, tous les politiciens ivoiriens, mais nous, on ne fait pas la politique. Nous, on parle de faire la société. Nous, on envoie les gens à changer de mentalité. On envoie des politiciens à s'écouter sur le cas que vivent nos populations. Mettez le cœur à la famille, c'est de ça qu'il s'agit.
Ils sont en train de signaler le direct. Mettez le cœur. J'ai peur même qu'après le direct, même que je ne puisse pas voir le direct. J'ai dit, j'étais prêt à risquer ma page pour toi ce soir. Parce que je devais parler à cœur ouvert. Tu n'as jamais rien fait pour les gens. Tu n'as jamais rien apporté pour les gens. Tout ce que tu fais, c'est pour ta tête. Et moi, je suis fatigué. Fatigué de ta jalousie. Fatigué de ta haine. Fatigué de vouloir essayer de détruire les plus petits. Fatigué de vouloir essayer de détruire les plus jeunes. Parce que pour toi, tu ne peux rien créer. Donc, personne ne doit créer quelque chose. Mais non, tu n'as pas la science infuse, mon gars. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne va jamais, au grand jamais, rejoindre ta corporation. C'est impossible. Hier, tu as refusé de nous rejoindre. Tu as refusé de coller ton image aux blogueurs et influenceurs. Aujourd'hui, tu vas venir dire que nous, on n'a qu'à venir être dans toi, ton groupe. Toi, tu peux diriger qui? La preuve en est, tellement je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis même pas président du comité. Je ne suis même pas président du comité. Parce que dans notre communauté, on laisse la libération à tout le monde. Et on invite tout le monde à nous rejoindre. C'est le comité de la vérité. Le comité où on se soutient. Le comité de la prospérité. Je dis merci à tous ceux qui sont dans ce comité-là. Parce que c'est le vrai comité. Dirigé par la présidente provisoire qui s'appelle Evie de Milan. On invite tous les Africains à nous rejoindre dans le comité de blogueurs et influenceurs. Oui, le véritable comité. Le comité de la paix et de l'amour et de la cohésion. Pas le comité du mensonge. Pas le comité pour aller vous vendre comme des bétails. Tous ceux qui vont aller dans les ligues là-bas, là, c'est pour aller vous vendre aux hommes politiques. Pour aller dire, j'ai 30 000 blogueurs. J'ai 100 000 blogueurs. Donnez-nous de l'argent. Voyez, tu l'as dit ici. Que toi, tu vends les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Mais quels sont ces hommes de Dieu-là? Parce que les véritables hommes de Dieu, tu ne pourras jamais les vendre. Les véritables hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, qui prêchent l'évangile, il y en a plein. Tu ne pourras jamais les vendre. Et tu n'as jamais 10 000 pasteurs auprès de toi. C'est que dans ta tête. Tu es un vendeur d'illusions et tu le seras toujours. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais rien avoir de toi. Je ne veux plus jamais rien avoir de toi. Et c'est moi qui te le dis. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne rentrerai jamais dans vos ligues de quoi ce soit là-bas. Jamais je ne rentrerai dedans. Aujourd'hui, nous avons un comité de blogueurs qui a été mis en place par Evige de Milan, par, comment il s'appelle encore là, Jessica, par Leslie, par Francine Barr, par tous ceux qui sont dans ce groupe-là, MKF, tous ceux qui sont dans ce comité-là. C'est le comité de la réussite. C'est le comité du bonheur. C'est le comité de ceux-là qui vont apporter un plus à l'Afrique. La famille, ce soir ici, j'aimerais dire merci à tout un chacun. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct-là. À tous ceux qui nous ont apporté un soutien et qui continuent de nous apporter un soutien. J'aimerais dire merci aux marraines, aux parrains, aux hommes qui sont prêts à nous accompagner pour la deuxième édition des Oscars des blogueurs influenceurs qui se tiendra le 10 septembre. J'aimerais ici appeler tout le monde à venir se rejoindre. Parce qu'il faudrait que tout se fasse de manière transparente et que la vérité puisse triompher. Tu as beaucoup menti à l'Afrique. Et aujourd'hui, je ne veux plus jamais de ma vie. De la même manière que ça sera mon dernier direct sur toi, je ne veux plus jamais que tu t'adresses à moi. Tu as dissocié ton image de moi hier. Continue de rester dans la même chose. Toi et moi, notre chemin se sépare. Tu es un pasteur, je suis un blogueur. On ne vit pas de la même manière. On n'a pas les mêmes longueurs de marche. Et nous n'avons pas la même devise. Et nous n'avons pas la même vision. Reste dans ton monde de pasteur. Et laisse les blogueurs être dans leur monde de blogueurs. Je suis un artiste chanteur. Je suis un blogueur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je ne vais entendre parler de toi. Reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Sur ce, j'aimerais terminer mon direct ici pour donner l'ordre aux brebis égarés de sortir. Mettez-vous au travail. Déversez vos haines. Déversez vos jalousies. Déversez vos mépris. Je ne vous calcule pas. Parce que sur le chemin de mon destin, je ne vois rien d'autre qu'à part Dieu. C'est parce que ce gars a essayé par tous les moyens que j'étais obligé ce soir ici de sortir. La bénédiction divine du Seigneur qui est sur ma vie ne pourra rien empêcher. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le comité des blogueurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour faire évoluer ce comité des blogueurs-là. Je vis tous les Africains. Je vis tous les hommes politiques. Tous ceux qui veulent nous soutenir, tous ceux qui veulent apporter quoi? Je vis tous les footballeurs, je vis tous ceux qui sont quoi? Nous, on n'a personne derrière nous, on n'a que Dieu. On n'a que Dieu derrière nous, on n'a personne. Mais ce Dieu-là va combattre pour nous. Ce Dieu-là va nous aider. Ce Dieu-là va nous apporter assistance et soutien. Ce Dieu-là va nous conduire là où on doit aller. Reste dans ton monde.
Fais ce que tu as fait. Mais ne viens pas essayer d'être dans nous, nos mondes. Parce qu'on n'est pas dans le même monde. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était votre fils, le Apoutchou National Abbé Stéphane Lemire de Paris. La chanson que vous avez écoutée, c'est ma chanson. Allez-y sur YouTube, l'écoutez. Donnez-moi le premier million de vues. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à partir d'aujourd'hui, toi et moi, je ne veux plus rien entendre de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu l'as fait hier. Donc reste dans ta dissension là-bas. Toi et moi, on n'a plus rien ensemble. Sur ce, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde entier. Pour tous ceux qui veulent joindre le comité des blogueurs, vous pouvez aller sur la page des Viges de Milan. Allez sur la page de Leslie 5 étoiles. C'est Jesse le Pape. Chez Francine Bas. Chez MKF. Allez-y sur la page de DS Collection. Allez-y sur la page de MK Secret. Allez-y sur la page de tous ceux qui vont parler du comité des blogueurs. Il y en a tellement que j'ai des noms que j'ai oubliés. Mais tous ceux qui vont parler du comité des blogueurs et influenceurs, ceux-là sont véritablement la vraie corporation. Nous avons besoin de l'Afrique. On a besoin des Maliens, des Burkinabés, des Centrafricains, des Ghanéens, des Nigériens, des Togolais, des Congolais. On a besoin de toute l'Afrique. On a besoin de tout le monde. Même les pays qui n'ont pas été cités, qui sont en Afrique, on a besoin de vous. Parce que c'est le comité des blogueurs et influenceurs africains. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Celui que tu as raté hier, tu ne me rateras pas encore deux fois. Toi et moi, il n'y a plus rien. Fais tes directs, je fais mes directs. À partir d'aujourd'hui, tu marches à gauche, je marche à droite. Je marche à droite, tu marches à gauche. Que chacun reste dans son monde et ne cherche pas à rentrer ou à venir auprès de moi. Jamais. Je suis blogueur, je suis artiste chanteur. Je finis pour donner l'ordre à tous ces brebis égarés qui ne font qu'insulter la maman et insulter les papas. Je vous donne ici de vous mettre au travail. Oui, venez déverser vos haines parce que vous n'avez que ça à offrir à l'Afrique. Moi, je vais changer les mentalités. Je vais apporter un plus à la communauté africaine. Je vais, à travers moi, les jeunes puissent s'inspirer, se dire, on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. Oui, je vais apporter un plus à l'Afrique. Oui, je vais être celui-là qui part des faits des sociétés et que nos dirigeants écoutent et puis changent les mentalités. Oui, nous voulons être la nouvelle génération des blogueurs et influenceurs. Nous voulons être la nouvelle génération des blogueurs et influenceurs qui ne sont pas là pour parler de politique, de choisir un camp politique qui parle des faits des sociétés et qui envoie l'État africain à vouloir changer de mentalité. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était le guide, c'était le Apoutchou National, c'était le paracétamol. C'est Dieu seul qui me gère. Personne d'autre ne me gère. Que le Saint-Esprit soit avec moi. Et que ce Dieu qui m'a envoyé sur cette terre puisse me faire asseoir à la place des rois. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime, ma nation. En ensemble.